Why does God give us prophecies? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne les prophéties? I'd like Tawed, come and read for me 2 Peter chapter 1. Frère Tawed, s'il te plaît, viens lire pour nous 2 Pierre chapitre 1. Verse 3 and verse 4. Versets 3 et 4. Gloire à Dieu. Chapitre 1, versets 3 et 4. Dans la version Louis II. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Pour accéder à la vie, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Pour ces raisons même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre d'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accroisse. Je voulais juste verser 3 et 4. Okay. Gloire à Dieu. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, nous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Vrai. Parole vivante rend ça mieux. God has given to us his great and precious promises. Dieu nous a donné ses grandes et précieuses promesses. So that through the promises he has given to us, afin que sanctified, nous puissions être sanctifiés, we may participate, we may resemble God, nous puissions live our normal lives here on earth, nous puissions avoir tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre notre vie normale ici sur terre. And also so that we may have all the power to live a holy life. Et aussi afin que nous puissions avoir toute la puissance nécessaire pour vivre une vie sainte. The promises of God. Les promesses de Dieu. Is the life of God given to those who believe. C'est la vie de Dieu donnée à ceux qui croient. When God makes a promise. Quand Dieu fait une donne une promesse. When God gives a promise, quand Dieu donne une promesse, quand Dieu fait une promesse, when God makes a promise, quand Dieu fait une promesse, he has given you something. Il t'a donné quelque chose. Those who believe. Ceux qui croient. Faith is the hands of the heart. La foi, c'est la main du cœur. Les mains, ce sont les mains. La foi, ce sont les mains. Give what God has given. Qui reçoivent ce que. Faith.
Excusez-moi, s'il vous plaît. La foi, ce sont les mains du cœur. For natural, tangible things. Pour des choses naturelles et tangibles. When somebody gives you, quand quelqu'un te donne quelque chose, you stretch your hand. Tu tends ta main. Dieu te donne les choses spirituelles au travers de la parole. And the person who believes God, et la personne qui croit Dieu, his heart has hands. Son cœur a les mains. He receives. Il reçoit. Spiritually. Et la foi reçoit les choses spirituellement. Faith receives all that is given through the word. La foi reçoit tout ce qui est donné au travers de la parole. Ce qui est spirituel, et la foi reçoit tout ce qui est donné au travers de la parole. Même dans l'expérience humaine, quand tu dis à tout ce qui est donné par les paroles, dis à quelqu'un qui a déjà appris à ne plus croire les hommes, dis-lui je t'aime. 1000 fois, ça ne lui dit rien. Qui a compris? What's understood? C'est tout ce qui est donné par la, qu'on donne par la parole. All that is given through the word est reçu par la foi. Is received by faith. You tell a child. On dit à un enfant. Si on dit à un enfant, I'll buy you yogurt. Je vais t'acheter du yaourt. The child starts dancing. L'enfant commence à danser. He knows that he has yogurt. Il sait qu'il a déjà du yaourt. If you are somebody whose word that child trusts. Si tu es quelqu'un dont cet enfant fais confiance à la parole. Nous sommes même fatigués. Has he received it? Est-ce qu'il a reçu cela? Has he received it? Est-ce qu'il l'a reçu? Reçu comme l'enfant va remplir son cœur. Dans tous les cas, je voulais mettre cela très simplement. Faith, la foi, is the hands of the heart. C'est les mains du cœur. That receives all that is given by the word. Qui est donné par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Or the word preached. Ou la parole prêchée. Or the word prophesied. Ou la parole prophétisée. Or the word confirmed. Par la parole. Faith are the hands of the heart. La foi, c'est les mains du cœur. And if somebody is maimed, et si quelqu'un est paralysé, maimed, amputé. Si quelqu'un est amputé, pardon. If, I didn't say cut the hands, maimed. Quelqu'un a des mains chétives. Qui n'ont pas été développés. Et on lui demande de porter un sac de ciment. The cement And is if somebody is le ciment est là. Et si quelqu'un est main. A fully roasted chicken. Un poulet entièrement braisé. He will look at the chicken. Et va regarder ce poulet comme ça. Look at it. Regardez le poulet. But he cannot eat it. Même pourra pas le manger.
that's how many believers have become. C'est comme ça que plusieurs croyants sont devenus. Whether it is the Bible, que ce soit la Bible, they don't feel rich. Ils ne se sentent pas riches. They don't have anything. Ils n'ont rien. That's why believers go to many preachers, give you something. Parce qu'ils pensent que tel prédicateur a la puissance pour donner quelque chose, pour offrir quelque chose. Mais j'aurais vraiment souhaité que vous me compreniez. Faith is the hands of the heart. La foi, c'est les mains du